les services à terme, le parcours social, là. Exactement. Disons par exemple, dans la campagne, 20 ans, 30 ans de cela, société s'est organisée d'une telle façon. Et donc, dans la campagne, dans Maurice, s'est organisée autour de l'indicible et l'industrie sécurière en général. Donc, disons, un village comme un Bambou, peut nous rester depuis 40 ans. Nous faisons trop ça sans ce moment-là. C'est-à-dire que longtemps, c'est la coupe qui est élément principal dans l'armée, commencement la coupe, finition la coupe. Par exemple, la plupart de la Bourgogne, tu gagnes la paix 15 ans. Alors, rythme, la vie, dit-il, à l'époque 15 ans. Du coup, on a tiré la chambre tous les 15 jours. Et on va tirer un rachement dans la boutique. Et si manque la monnaie, boutique est là, et créer un livre, un gros livre, de nous crédit. Jusqu'à procès, la paye 15 ans quand on rembourse d'être là. Alors tout ça va nous. Dans ma boutique, c'est un autre affaire intéressant. Et c'est même au lezé, petite ville dans le village, on a la coupe. Entre une coupe et pas là, on va travailler à deux places. Parce que dans la coupe, tout le monde faisait un réveil qui sonnait à 4h du matin. Je te l'ai vu. Quand du monde travaille à Bouvert, dans le calme, et dans le bambou par exemple, il y a une grande majorité d'hommes et de femmes, mais du monde levé 3h, 4h du matin, pour couiller manger, pour amener mon travail, pour couiller manger, pour donner aux enfants à l'école. Alors, tout le monde nous appelle si on a un rythme qui dépend de l'eau, quand même on dirait agricole, mais un rythme spécifique en cours, qui dépend de l'eau calme. On tâche un calme, grâce à un gamboulin. Alors, tout le monde dit monde qui. On dirait dans le cap et autres cela. Dans la coupe qu'ils ont travaillé, pour ça on n'est pas. Alors, fabrique société, l'étit autour de l'occupation cap ici. Et là, quand je vous dis d'abord, on a bien tiré du monde qui travaille dans le cadre de l'ici. Parce qu'il est centralisé. Mécanisé, bien tiré du monde. Alors, ça rythme qui est présent longtemps. Il n'est plus là. Au final, une espèce de dislocation. Dislocation stricte. Manière que la société structurée dans les temps. Par exemple, dans les autres pays, il y a un pays de Galles. On va aussi nous trouver que beaucoup de villages dans le pays de Galles sont autour. Mine Sorbonne. Les lacs mine Sorbonne fermé dans les années 70, Madame Thatcher, on se ferme tout le mine Sorbonne, qui est supposément pas bien rentable. Ça m'a dit là, je suis désintégré. Parce que là-bas aussi, pareil comme ici, le rythme là-dessus autour, l'élevé bonheur, puis Mlle et Michel là, descendent dans mine, quand ils retournaient, l'air qui lui retournait sur madame il s'offre 10 lots en grand bas parti comme ça et là demi-temps puis j'ai la poissise d'un petit baril madame là elle brosse ses 10 lots sur une savon pour brosser pour tirer ça la poussière dans la l'eau et le truc même quand on est là une industrie dominante il crée structure dans la société, il crée un rythme dans la vie sociétale. Et donc, par exemple, dans beaucoup des autres pays, vous pouvez remarquer, ça y a un petit pays à côté, qui, dans la ville, disons en Angleterre, dans la ville côté nord, un seul employeur dominant, la vie dans la ville-là, en couillonnant. Parce qu'il y a un seul patron
Et tout le monde, on dirait, quand il travaille là-bas, c'est bien courbé. Mais dans la ville, quand on a 3-4 gros employeurs, la ville est la même différente. Et quand on fait ça, l'expérience, ça, parce qu'on travaille dans beaucoup la ville en Angleterre, et la ville, quand on travaille, il y a le Nottingham. L'équipe de football, on appelle un coup de rate, mais la ville-là est extra. On aime la vie dans la ville-là. Et quand on, là-bas, pour appeler les temps, comme on le causait beaucoup, du monde dans le corps, cela, on réalise qu'il y a un des bons facteurs qui rend la vie dans cette ville-là absolument extra. Des facteurs. Un, c'est qu'il y en a trois, au moins trois gros employeurs. C'est un mix charbon, c'est un bout qui produit médecine, et c'est un troisième employé. L'autre facteur, c'était que pendant la guerre, dans notre gamme, c'est dans l'industrie broderie et lace. Donc, elle beaucoup moins difficile depuis la campagne, il reste dans la ville. Il travaille dans sa bonne usine, donc elle. Donc, de la bonne femme dans sa, la ville-là, tu développes de l'indépendance. Oui. Facilement dans notre union, à soi, où tu ouvres 3-4 femmes, viennent dans le pub, tu sais, sans hommes, sans mari. Ils viennent dans le pub, ils commandent un gros, beau clavier, tu assises. Et ils sont musicales, et ils sont dans le travail, parce qu'ils, depuis beaucoup de temps, ils ont établi une présence qui va rendre au questionné. Alors, vous trouvez quelle manière l'emploi dans les régions, dans la ville, dans la campagne, est capable de déterminer un peu structure société-là, manière que la société-là fonctionne, et que pour nous revenir ici, encore, c'est pas ça qui fait nous sentir qu'il y a un débat qui est nécessaire. Parce que personne n'a pas fait réfléchir beaucoup. L'eau, qui l'effet centralisation et mécanisation, finalement, finit au niveau économique. C'est-à-dire, il crée SOMAS, il crée l'emploi saisonnier, il crée. Mais personne ne peut réfléchir de quelle manière d'en affecter, pas juste par statistique, société, mais d'en affecter structure sociale humaine. Fabrique sociale. Et donc, je connais pas un bon qui est temps. Et puis, il y a 10-15 ans. Nous, tout qui lit à la gazette régulièrement, nous pouvons trouver. Qui, pendant 3, 4, 5 ans, dans Maurice, capitale du crime, c'était l'Almaty. C'est dans l'Almaty qui gagne un crime atroce, côté serre dans l'As, mort, façon coup de couteau. Quand vous lisez la gazette régulièrement, vous trouvez qu'il y a un an, vous avez une forme de crise sociale. Qui n'affectait la campagne beaucoup plus. Dans la guerre entre voisins, dans la bagarre, une violence entre voisins, à l'intérieur de la famille, il augmentait beaucoup dans la campagne, comparé avec la ville. Alors, quand on fait sa constatation, nous obligés, en tant que militants, nous obligés, c'est de comprendre qui fait aller comme ça. Il parle. Il ne peut pas dire dans la matière du monde. Il ne peut pas dire qu'il est bon dans la campagne, la matière du monde, c'est pour la guerre, tout le travail. Ça fait sens. C'est tout qu'il y a quelque chose qui fait venir dans les derniers 20 ans, 30 ans. Alors, dislocation sociale qui va mentionner, il y en a pour faire un changement dans structure sociale dans la région sans qu'il y ait un commencement de récomposition. Pour récomposition, pour un an,
par exemple en bambou, et commence une nouvelle récomposition autour de différents emplois et tout ça. Mais, quand ça fait dans la société, tout le temps, il y a une timeline. Quand on a une dislocation, il y a un effet, après un certain temps. Quand on commence une récomposition, il y a un timeline. Avant qu'il y ait un effet, on restabilise la structure sociale. Donc, c'est pourquoi ça qui est utilisé pour la dislocation.